le début de la crise en 2013, on a évolué en fait d'un conflit de groupes armés à un conflit entre communautés armées. La Séléka, qui était composée de différents groupes armés et qui a pris le pouvoir en 2013, a été chassée de la capitale à la fin de l'année 2013, au début 2014. Et cela a provoqué un déchaînement de violence qui a pris un tour tout à fait inédit en Centrafrique, puisque cela a opposé, pour simplifier, les musulmans aux communautés non musulmanes à Bangui, dans la capitale, mais aussi dans la partie ouest du pays. Donc le principal problème actuellement, c'est à la fois de réduire ces poches de confrontation au centre du pays entre anti-Balaka et anciens Séléka, anciens miliciens de la Séléka, mais c'est aussi et surtout de réduire les tensions intercommunautaires et de permettre le retour des communautés musulmanes dans l'ouest du pays, retour pacifique évidemment, et leur permettre de se réinsérer d'où ils viennent.